Bon, n'empêche le temps de jeu, enfin il est pas mal. Enfin je veux dire l'effet de jour est pas mal. Ah, on est toujours recherché, hein. Je vais reculer jusque midi et puis on. Parce que c'est ça, c'est midi, hein. Enfin, ouais, c'est midi qu'il faut que j'attaque. Donc, on va encore attendre, voilà, quelques jours comme ça, en reculant d'une heure à chaque fois, en espérant que l'insigne elle disparaisse. J'avais réussi à la faire disparaître une fois, hein, mais j'ai l'impression que vraiment on est allé un peu trop loin, quoi. En même temps, ça rend la chose cohérente, quoi. Plus tu sévis, plus eux sévissent aussi, quoi. C'est normal. Bon, on n'est pas. Voilà, c'est. C'est plusieurs jours à rien foutre, quoi. C'est chaud quand même. Bon, allez, là, quoi qu'il en soit, voilà, on arrive à l'heure qu'il faut, donc je fais vraiment ça pour essayer de faire baisser l'indice de recherche, quoi. Voilà, là ça fait quasiment un mois que qui s'est écoulé, quoi. Donc au bout d'un moment. Voilà. Pas compliqué. Mais c'était chaud quand même. C'est comme quoi on a vraiment poussé le bouchon, quoi. Bon. Le tableau. Oh, j'ai fait un dérapage là. Mais là, je me mets prêt à partir. J'ai fait un dérapage pas volontaire, hein. Honnêtement, c'était vraiment pas volontaire. Facile. Oh bah. Voilà. On va rincer rapidement maintenant que c'est sauvegardé. Allez, là c'est parti. C'est open bar pendant quelques. Alors pas longtemps, hein. Vraiment moins d'une minute. Oh. Alors, je vais commencer par vraiment rincer ici. Hein. Sachant que je crois que c'est vraiment ici en plus qu'elle va arriver en premier. Non. Ok.
Je veux le rez-de-chaussée en premier. Téléphone. Ok. Je fais à chaque fois ces tiroirs-là, mais il n'y a quasiment jamais quelque chose dedans. J'ai vu la décoration. Une coupe là. À la fin du temps. Je fais juste ce truc-là, puis je me casse. Allez, je me casse. Je peux encore prendre un truc. Putain! Ma voiture, elle est pas loin en plus. Enfin... Ouais, bon, allez, hop. Donc, c'est bon. Maison, on sait jamais au cas où il y a des trucs que j'ai chopés, mais. Les disques durs, normalement, je peux aller les vendre. On me les redemandera pas. Bon, j'ai encore gagné un niveau. Toujours ça de prix. Je vais prendre plus d'emplacement dans le sac. Ça, c'est le truc que je vais prendre. Je vais racheter par contre. Voilà. J'en rachète juste deux. Ouais, donc je vais prendre en compétence le. Parce que voilà, j'ai 3 points de compétence. Je vais prendre le sac de niveau 3, quoi. Parce que c'est. Ça devient vraiment primordial. Et je vais claquer un point. Ah, le truc, c'est si je dois claquer les 2 points. Ouais, bah c'est pas grave, je gagnerai un niveau de toute façon entre deux. Donc hop, j'apprends. Estimation, niveau. Voilà, niveau 3. Welcome back. Ouais, 350 quand même, ouais. Ouais, j'ai vendu le disque dur. Je vais aller chercher mes guitares. Parce qu'honnêtement. Ah ouais, j'ai pas vérifié ces trucs-là. J'avais rien là-dedans? Oh, j'avais rien. Bon, bah. Hop. Je pensais avoir plus de trucs dans mon. Bon, de toute façon, voilà. Ici, c'est bon. On a les butins qu'il nous fallait. On va laisser cette maison tranquille pour le moment. Et on va aller voir ce qu'il y a chez les autres. Alors. Donc, c'était la 106. Hein. On remonte hein, progressivement. Chez les Davis, à la 105. Bah, c'est juste à côté. Il y a un coffre avec des bijoux. Oui, alors, je vais pas regarder le temps. Ici, je sais pas. Mais il faudrait... Ouais, l'idéal, c'est 23h. Ok. Donc 23h, donc je pose jusqu'à 22. Et je me gare juste à côté à la 106. Bah non, à la 107. Ah non, à la 104, ok.
Ah, et puis mon objectif est juste à côté de... Non, c'est pas là. Bonjour. Non, c'est rien, madame, c'est rien. Le coffre. Il est juste là. Merde. Ok, c'est 50 tours. J'ai tout mon temps là pour... Comment ça se fait? Bah oui, ils étaient pas sortis. Freeze! Bah salut. Bonjour, monsieur l'officier. D'accord, lui. Donc lui, il est passé par le garage, lui. Pas de soucis. Je suis... J'attaquais un poil trop tôt. Bah ouais, je suis con, ils sortent à cette heure-ci, donc faut que j'attende. Et donc, elle a détecté, elle a vu que la serrure était pétée, quoi. Elle a vu que la serrure était forcée. Bon. On va attendre... Ouais, c'est bon, il y a que 20 secondes à attendre. Ça va le faire. Je vais juste attendre un peu après parce que sinon... Et là pareil, je peux pas mettre ma mini caméra, enfin c'est dommage. Bon, 23h, c'est bon, elle sort. D'accord, elle a disparu. Allez. Cette fois-ci, c'est sûr, il n'y a plus personne dans la maison, donc j'ai tout mon temps. Bien sûr. Donc le code a changé, hein, c'est plus 50. C'est 49, 37 et 48. Et donc il y a ici, il n'y a rien d'autre. Normalement ici, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, mais on va quand même vérifier. Et puis il y a les chandeliers. Les chandeliers, il faut absolument que je les prenne. Ça, je m'en fous. Pognon. Bon, ici, je pense que c'est bon. J'ai vraiment quelques minutes, alors on va... Voilà, ici, c'est du plus 10. Je vise le pognon, mais aussi l'expérience, hein. C'est pour ça que... Il y a du pognon, là. Il y a les tableaux, mais honnêtement, c'est pas... Bon, allez, hop. On va prendre quelques tableaux. Celui-là, celui-là, faut que je le porte. Ouais. Je pense. Ouais. Lâche ça. Non. Je te dis lâche ça. Bon. Allez. T'es...
Masse. Faut que je ressorte par en haut, je suis con. Bon, objectif fait pour ici, hein. Après, donc là je ressors, je vais vendre ce que j'ai et puis voilà. Je sais pas où est le deuxième chandelier. En tout cas, je vais stocker celui que j'ai là. Parce que les chandeliers triples, je sais qu'il en faut deux et puis écoutez, puis je me suis pas fait pincer, donc c'est plutôt bon. Plus chandelier triple. Je vais prendre les deux disques durs. Et je vais ranger les guitares. Ça sert à rien. Je vends mes guitares. Honnêtement, elle m'encombre plus qu'autre chose. Enfin, elle m'encombre. Ça dort plus qu'autre chose en fait. Donc je prends mes guitares et les vendre. Non, pas le chandelier. Welcome back. Oui. Ah putain, 1200 en plus. Ah puis ça va me saouler. Attendez. Bon, j'ai les 8000 pour acheter l'appareil qu'il me fallait. Ça, c'est déjà ça, quoi. Et j'ai un basset qui vaut 1002 en plus, donc... Donc, en fait, j'ai de quoi faire, là. C'est bon, j'ai suffisamment pour faire ma mission de vol de voiture. On va faire ça rapidement, il n'y a que 3. Ok. On est bon, alors juste donc c'est la 104, hein, c'est ça la mission à faire, c'est ça, c'est la voiture, et donc au niveau du temps, c'est la 104, ouais. Donc faut que je frappe à 19h. Parce que il y en a un dans le salon. Salon, cuisine. Garage, merde. À 22, il est dans le garage. Donc 23h.
23 h, mais après, j'en sais rien. Sinon, j'arrive à 8 h. Chambre, toilette, chambre. Chambre, cuisine. Et jusqu'à 17 h. Alors qu'il arrive dans le garage. Ça me laisse largement le temps. Si j'arrive à 8 h, je suis bon. Con. Donc 8 h, donc ça veut dire que je... Ouais. 7 h. Et encore, j'ai largement le temps, alors... Ouais, je vais même aller. Je me permets même le luxe d'arriver vraiment assez ponctuellement. Soit je garde ma voiture, mais on s'en fout. Pire moment ever. Ouais, je me l'ai chopé. Monsieur l'agent. Voilà. Bon. Donc, j'étais un poil rapide. Est-ce que je peux avoir... Bon, là normalement on est bon. Bah, eh, c'est un sans faute, ça. Bon, ça, de toute façon... Alors, je pense que... On va faire ça comme ça. Alors... Ok, puis là, c'est bon. Donc en fait, il suffit de cliquer, quoi. Et voilà. Et ma voiture, moi je la récupérerai plus tard. Eh ben pas mal ça. 500 d'XP. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, on est dans ce genre-là, ok. Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. C'est très flou, hein, notre histoire, mais en fait, apparemment, on est devenu un cambrioleur un petit peu contre nous, quoi. Enfin. Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Ok. Donc, ça, c'est une autre mission. Ouais, 204. Donc. Voilà, puis on a donc ce véhicule. On peut passer un peu de temps là-dessus. C'est long, hein. Ça, par contre, c'est très long à faire. Et après, on récupère en fait les pièces et on va les stocker.
On peut faire ça avant d'attaquer le quartier suivant en fait, parce que là c'est bon, on va attaquer le quartier suivant. Alors là, ça va ressembler énormément à... Comment? Comment ça s'appelle? À... Ah d'accord, ok. Voilà. Ça va ressembler énormément à... Comment ça s'appelle? Ah, le jeu auquel on a joué, hein. Enfin, auquel j'avais fait 4 épisodes dessus et que j'ai jamais fini d'ailleurs. Oh, House Flipper. Bon, c'est pas très intuitif, c'est assez difficile. En fait, faut cliquer sur la pièce pour la sélectionner. Et après, on reclique en maintenant le clic pour démonter en fait. Bon, ok, donc apparemment cette roue-là, c'est bon. J'appuie sur E pour sortir, je suppose. Roue suivante. Donc là, maintenant que j'ai compris, en fait, faut cliquer là-dessus. Ensuite, voilà, on maintient le clic sur chacune. Ok. Mince. Bon, ça c'est les roues, c'est simple. Sans déconner, c'est le plus simple. Pour la plaque parce que voilà, c'est plus simple. Ok. Dernière roue. Je crois que c'est directement stocké dans le dans notre coffre là-bas, notre armoire métallique là. Bon. Très bien. Déjà, il y a plus de pneus. Les suspensions. Alors, attendez, parce que... Ok, d'accord. En cliquant, je... Ok. Donc déjà, je peux enlever ça. Pas facile, hein. En plus, moi, en vrai, en mécanique, j'y connais, mais que dalle. Je vous avoue que je suis... Ah, je suis pas un exemple là-dessus.
Donc à chaque fois que je clique, en fait, il me donne des indications plus ou moins précises. Ok. Ça, c'est le réservoir, si je dis pas de bêtises, que je peux partir visiblement. Ok. Ah, ok. Je pense qu'il y a une autre grosse vis de l'autre côté. Exact. Plutôt symétrique qu'une voiture. Ok. Ça c'est le tuyau d'échappement. Bon, logique, faut que... Ah, ok, d'accord. Donc maintenant, il m'a indiqué les vis parce que je voulais les sectionner, mais il... c'est assez capricieux hein, comme système. Honnêtement, c'est... faut maintenir un petit peu en fait pour qu'il... Bon, c'est bon, on petit à petit, on remonte toute la voiture en fait. Bon, on remonte. On la démonte, mais on remonte de l'arrière vers l'avant, quoi. D'ailleurs, enfin... Dites-moi si je me trompe, hein, mais je trouve ça chelou. Les ressorts, ils sont à côté des amortisseurs, ils sont pas avec les amortisseurs. Parce que normalement le ressort il est autour de l'amortisseur, enfin. Il semblait que c'était comme ça moi. Ah, je vous dis, hein, j'y connais rien. Ok, donc. Cette vis là. Cette vis là. Ok, il faut supprimer ça. Ah, donc c'est ça une fameuse billette de direction. Ah, par contre, je en lisant ce que je démonte, je vais dormir moins bête ce soir. Sur la mécanique en tout cas. A to Z favorites. Bon, bah écoutez, ça commence à... On a retiré un max de trucs là déjà là. Je crois que j'ai retiré tout ce qui pouvait l'être. Maintenant, faut que je redescende la voiture pour enlever tout ce qui reste. Parce que le moteur, tout ça, j'y accède par au-dessus. Ouais. C'est ça. Et donc ces parties-là, je peux pas les retirer. Donc, ces parties-là, visiblement, je peux pas les retirer parce que je peux pas sélectionner dessus. Ainsi que le réservoir.
le moteur. Alors par contre, le moteur en soi, je connais le principe de comment ça fonctionne, hein, mais seulement le principe, hein, après. Je veux dire, les pistons, les bougies de démarrage, ça je sais un peu comment ça fonctionne. La batterie. Mais en fait, c'est surtout enfin, la partie électrique et puis. Mais en mécanique, je vous dis, en mécanique, je connais pas grand chose. Par contre, en électricité, ouais. Toute la partie électrique d'un véhicule, voici, je comprends un peu comment ça fonctionne. Mais... Bon. D'accord, c'est la boîte de vitesse, ça. J'ai des potes qui sont dans la mécanique, mais parfois je leur fais péter des câbles. Mais bon, eux parfois ils me font péter des câbles informatiques aussi, alors. Chacun sa croix, j'ai envie de dire. Ah, les courroies. Les courroies. Alors, logiquement, en enlevant le temps, ce galet-là, ça aurait dû bouger, mais c'est pas grave. Ok, je peux enlever la courroie directement. Ouais, faut d'abord que je la sélectionne. C'est très capricieux comme système, hein, pour sélectionner tout ça. Alternateur. Oh, reste des trucs là-bas aussi. Je m'occupe de l'avant d'abord. Hein. Ok, il y a l'autre culasse qui est là. Il faut que j'enlève les bougies, il faut que j'enlève tout. Oui, ok, d'accord. Il y a toute cette partie-là. Je vous dis, c'est assez capricieux, hein, mais on s'en sort. Faut vraiment en fait cliquer, puis après enfin cliquer pour sélectionner et après maintenir le. Limite, je comparais tout à l'heure avec comment? Au slipper, mais c'est quand même beaucoup plus bah beaucoup moins bah, beaucoup moins bien fait que au slipper. Ça c'est tout ce qui est filtre à air. Okay.
Visiblement, je vois plus rien qui puisse être démonté. Ah. Si, il y a encore des trucs. Ça a l'air d'être ça. Ok. Je vérifie hein, que j'ai rien oublié. Pareil, je peux pas. Ah, ce jeu, ok. Écoutez, apparemment, j'ai tout eu. Hein. Mince. Bah, ça aura pas duré tant de temps. Ouais, ça aura duré un épisode, quoi. Cette histoire. Je revérifie. Hein. Donc, on a les suspensions. Ouais, ok, de toute façon, voilà. Je revérifie juste, mais en bas, ouais, pareil, hein, j'ai tout eu. Je revérifie les roues. Non, y a rien. Allez. Et je suppose que maintenant faut aller à la décharge pour se débarrasser du truc. Quoi qu'il en soit, vu qu'on a tout le matériel, on va vendre tout ça sur le Black Bay. Voilà, on a tout, hein, donc la batterie, les 4 roues, le collecteur d'échappement et la boîte de vitesse. C'était surtout ce qu'il fallait. Et c'est pas si cher payé que ça, hein, 3000, hein, mais bon, enfin, toujours mieux que rien. Alors, c'est là qu'on va regarder pour le junkyard, donc pour la décharge. Howdy. Ah non, je peux vendre les pièces à lui. Ok, d'accord. Alors, ok. Mais résultat, la carcasse. Ok, d'accord. En fait, je peux vendre... Oh, il y a beaucoup de choses. D'accord, ok. La question, c'est en fait, en vrai... Vous savez quoi? Pour le moment, on va stocker. On sait que c'est une... En fait, ça fait une réserve d'argent, tout simplement. On va considérer que c'est comme une réserve d'argent. En cas où j'aurais besoin de quelque chose... De vraiment quelque chose... D'acheter un équipement, quoi. Après, il y a l'autre voiture, hein. Il y a l'autre voiture à... Welcome back. Non, c'était les... C'est ça que je voulais vendre. Voilà, 1002. Parce que j'ai pas regardé... On va continuer un petit peu... Quoique, moi j'arrive à la fin de l'heure prévue pour... Pour arrêter, hein, donc il faut que j'aille jeter un oeil
au chat qui va mieux, mais qui voilà, qui a toujours besoin de surveillance. Ah, il y a les jumelles. Alors, les jumelles, c'est un petit peu... Ouais, allez, on va les acheter parce que, voilà, j'ai le pognon. Et puis, comme je vous dis, il y a ce qu'il faut. Mais le ouais, le prochain truc, il a mis... Eh, il est à 14 000. Après, il y a de vision nocturne. Mais le prochain truc, ce sera le truc de hacker. Et puis, c'est 14 000. Et donc, il va me falloir ça. Alors, les jumelles. Les jumelles. Ah, mais oui, mais ça me sert à rien. Parce que je peux sélectionner, mais de toute façon, avec le clic droit... Mais je peux pas faire... Je peux... Comment? Avec mon tactile, c'est... Ah, quoi que si, si je fais comme ça. En fait, si je double-clique et que je fais un clic droit. Okay. Parce que sinon, voilà, je peux pas vraiment... Bon. Je les ai achetés, voilà, c'est juste histoire que ce soit... accessible. Attends, excusez-moi. Ah, ok. Attendez, excusez-moi, j'ai un message important. Attendez. Excusez-moi. Petite question informatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai encore une vingtaine de minutes là pour être disponible. On va peut-être regarder. C'est 204. Hein. On va au moins faire du repérage. En fait, on va même pas. Voilà, on va pas cambrioler là maintenant. On fera ça à l'épisode suivant parce que normalement, voilà, on est à la fin du deuxième épisode de... que je tourne aujourd'hui. Et je pourrais pas tourner plus, hein, de toute façon. C'est la 204. Hein. Alors, ici, on va voir des maisons qui sont beaucoup plus bourgeoises, dirons-nous. Ok, mince, la 204, elle est dans la rue parallèle. Bon. Mais au moins, je vois un peu où est le numéro des maisons. Alors, moi, je suis concentré sur le GPS, mais voilà, vous voyez un petit peu le décor. Donc, voilà. Quartier un peu plus bourgeois. Beaucoup plus bourgeois. Ah, bah, il y a. Alors, ça, c'est cool. J'ai le parking juste à côté. Alors, attendez. Hop. Hop, 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 hop. Micro. Oh. Alors, il est 5h du matin. Voilà, je viens de passer 25 heures dans ma voiture, tranquille. J'ai pas... Oui, si, voilà, je viens de récupérer. Et on va pouvoir analyser. Donc, ok. Donc, ben, voilà, en gros, vers midi, visiblement, à ce que je vois... On va regarder plus en détail leurs habitudes.
Donc midi. Midi, ils sont tous les deux dehors à midi. Et lui revient à 16h. Donc en gros, j'ai 4 minutes, hein, oui, 4 minutes pour bouger. Mais on va regarder un petit peu ce qui se passe après. Donc après, sinon, c'est cuisine, toilette, salon, cuisine et chambre. Ok. Ensuite ici, toilette, cuisine, garage, beaucoup dans le garage. Plus de salon. Ok. Alors, ici, voilà, en fait, c'est surtout aussi voir quand est-ce qu'il dorme. Parce que mine de rien, là, à 23h, elle va dormir, lui aussi. Donc, dès 23h, il dorme. Il dorme, et ce, jusque 6h, visiblement, pour, je pense, madame. Et 6h aussi pour monsieur. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai un créneau aussi de 23 à 6h du matin, mais qui doit être discret. Sachant que là, de toute façon, ma mission. C'est de le mettre dans sa table de nuit, je crois. Donc. Faut. Voilà, faut attendre. Midi, 4 minutes pour faire ça. J'ai pas du tout regardé. Attendez. Parce que par contre, j'ai pas du tout regardé autour. S'il y avait les caméras, s'il y avait. Voilà, par exemple. Par exemple. Là-bas. Faut que je regarde comment je peux rentrer déjà. Mais il y a des caméras. Et là, ça va pas être aussi simple que de couper le courant et puis et basta. Ok, en plus, voilà, ils ont des volets automatiques. Ok, mon objectif, il est là. Mon objectif, il est là. Le truc c'est je rentre comment? Je rentre visiblement par là. Donc je suis à la limite de cette caméra. C'est accrochage de niveau 3, ça c'est ça. Hein, ouais, c'est accrochage automatique. Donc c'est bon. Donc ça c'est bon. Pas de soucis jusque-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis ennuyé parce que pour marquer, je peux pas faire clic gauche et clic droit en même temps avec mon tactile d'ordinateur. Ce qui est un petit peu ennuyeux. À moins que je puisse. Attendez. Ouais, je peux faire ça comme ça. J'ai mis ma touche contrôle. Et là, maintenant, je peux marquer. Donc, il y a deux caméras, dont une quand même qui est assez mal placée. Je pense qu'il y en a que deux. Même vérifier, mais
Bon. Je crochète, je passe par le côté. Mais... Ok. Alors. Ah oui, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, attendez. Bon, on va faire ça comme ça. Hop. Donc, midi. Non, non, pas du tout, monsieur. Alors là, il y a ça. J'ai quelques secondes, donc ah, non, en fait j'ai un petit peu de temps, en fait j'ai un tout petit peu de temps. Alors autant essayer de rincer un petit peu. C'est même pas la peine. Merde. Y a du pognon là. Ok.